Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un phénomène du français parlé qui fait que c'est plus difficile à comprendre que le français écrit. En français parlé, on a tendance à aller plus vite et une manière de faire ça, c'est d'enlever des « e ». Ça s'appelle le « e » muet. Le « e » en français, souvent, il disparaît à l'écrit, mais parfois, il est écrit, mais il disparaît à l'oral. Ça va être beaucoup plus clair avec des exemples. Dans ma vidéo sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, je dis « Aujourd'hui, on va se promener sur le boulevard Saint-Laurent. » On va se promener. Je n'ai pas dit « on va se promener », mais « on va se promener » et j'aurais même pu dire « on va se promener ». Donc, on enlève un ou deux « e ». Je dis aussi « quand je marche ici, je me sens au cœur de Montréal ». Donc, à l'écrit, ça va être « quand je marche ici », et moi je dis « quand je marche ici », « je me sens », « je me sens ». Et le dernier exemple, c'est sur le sandwich au smoked meat, il y a beaucoup de viande et de la moutarde. Beaucoup de viande, beaucoup de viande, et de la moutarde, et de la moutarde. Alors voilà, la chute du E muet, ça fait que le français parlé est plus contracté et plus difficile à comprendre, ça va plus vite. Il faut comprendre ce qui se passe.